En dehors de l'archipel japonais, Namco n'a jamais mis en avant sa série des Valkyries. Un seul épisode est sorti en Europe et en Australie sur Super Nintendo. Pourtant, Valkyrie fut non seulement une des licences phares de Namco, mais aussi l'une des premières héroïnes incontournables au Japon. L'épisode fondateur sort en 1986 sur Famicom. Il s'intitule Valkyrie no Bouken, Toki ni Kagi Densetsu, ou Les aventures de Valkyrie, la légende de la clé du temps. Le titre prend d'ailleurs son sens à la lecture de l'histoire. Comme toujours, le monde était un territoire en harmonie, où tous les peuples cohabitaient avec amour et respect. Un grand beffroi garantissait le maintien de la paix, puisque les forces du mal étaient enfermées en son cœur, scellées par la clé du temps. Jusqu'au jour où l'horloge du beffroi cesse de fonctionner et libère Zuna, le sorcier démoniaque de la légende. Ce dernier s'empare de la clé et condamne le monde aux ténèbres. Le désespoir des habitants remonte jusqu'aux cieux. Le ciel envoie alors une jeune vierge ailée, Valkyrie. Valkyrie no Bouken se présente comme un jeu d'aventure vu du ciel en temps réel. Namco y introduit même la notion de temps avec le passage du jour à la nuit. Valkyrie débute ses pérégrinations dans une plaine hostile. Et hostile est ici un euphémisme. Dès les premiers pas, des groupes d'ennemis très agressifs fondent sur le joueur sans qu'il puisse les semer. Il va donc falloir systématiquement défendre sa peau. La ridicule hitbox du glaive de Valkyrie vient un peu plus ternir ses chances de survie. Si la difficulté est d'emblée excessive, la courbe se relâche une fois l'héroïne plus expérimentée, car la guerrière récupère des points d'expérience à chaque ennemi pourfendu. Mais le jeu n'en devient pas facile pour autant. Les cadavres laissent aussi apparaître quelques pièces, même si l'argent ne joue pas un rôle très important. Il existe peu d'objets et tous peuvent être récupérés à travers le jeu pour peu que l'on sache leur emplacement. En plus des traditionnelles armures et armes, l'héroïne obtient aussi 7 sorts le long de ses aventures selon son niveau d'expérience. La beauté de ce premier épisode réside certainement dans le caractère vague de sa quête. Que faire? Comment faire? Où aller? Valkyrie no Bouken ne donne pas toutes les clés, et seule l'expérimentation apportera des réponses aux joueurs. Namco mise donc beaucoup sur l'exploration et la curiosité du joueur. Heureusement, si cet aspect peut rebuter, le jeu s'avère prenant grâce à son univers et ses ambiances. Valkyrie fera l'objet d'une refonte beaucoup moins austère sur PlayStation, dans la compilation Namco Anthology 2, sortie exclusivement au Japon en 1998. Valkyrie no Densetsu est l'épisode le plus célèbre de la série. Il sort en 1989 au Japon seulement sur le système arcade Namco System 2. Un hardware qui verra passer quelques classiques tels que les Final Lap, Ordine, Felios, Rolling Thunder 2 et ainsi de suite. Namco semble s'être adapté au support en créant une suite bien différente. Le côté Zelda-like est troqué pour celui d'un jeu à la frontière entre le Commando-like et le Beat'em Up. Sous ses airs d'Ikari Warriors mal dégrossis, Namco apporte de nouveaux éléments de gameplay. Chaque ennemi pourfendu rapporte des pièces qui serviront à acheter des armes ou des boucliers. En effet, un vendeur itinérant propose à chaque rencontre une sélection de 3 objets d'attaque ou de défense. Ces objets peuvent aussi se récupérer à travers les niveaux, mais sont rares. Cet élément de jeu, peu commun dans les beat'em up de l'époque, cache d'autres emprunts. Au jeu de plateforme par exemple, lorsque l'héroïne doit sauter d'une plateforme mouvante à l'autre. Si à l'écran cela peut paraître simple, la notion de timing est importante. Et lorsque les ennemis chassent le joueur, ce dernier doit être très prudent dans la gestion des sauts. Les designers s'en amusent et alternent des phases de combat intenses avec des phases de plateforme sobres mais qui cassent habilement le rythme. Car à la différence des beat'em up à scrolling horizontal, ici le défilement est dicté par le joueur. Il est donc possible d'esquiver et de battre en retraite. Mais si l'esquive peut sembler avantageuse, elle demande aussi une certaine maîtrise. Les ennemis ont tous leurs caractéristiques, et certains sont plus rapides que Valkyrie. Ils possèdent des tirs qui traversent les murs et dont la portée est illimitée. Valkyrie est donc un jeu où le rythme s'emballe autant que le joueur. Cette excitation affole le gameplay. Tout commence dans un décor bucolique. Les ennemis sont simples et le jeu semble bien inoffensif. Puis, peu à peu, Valkyrie entraîne le joueur dans un terrible supplice. La simplicité du level design de Valkyrie no Densetsu étonne toujours par sa justesse et son efficacité. Valkyrie est un titre mignon, coloré, mais surtout malicieux, et très exigeant une fois en main, taillé pour les amateurs de scoring. Un quart de siècle après sa sortie, son charme ravageur fait toujours effet. Mais Valkyrie séduit également par sa patte artistique. Les animations sont variées. Valkyrie peut devenir une torche humaine, se faire écraser comme une crêpe, se noyer. La palette de couleurs caractéristique des titres Namco System 2 évoque celle de la PC Engine. Ce n'est donc pas une grande surprise de voir le jeu adapté sur la console de NEC un an plus tard, en 1990, à l'instar d'autres titres issus du hardware de Namco tels que Final Lap, Ordine et Felios. La version PC Engine est toutefois différente de l'original. Le level design des derniers niveaux change radicalement, et de nouveaux stages font leur apparition. D'autres ajouts se greffent au titre, pour en faire une version parfaitement pensée pour la console, avec un système de password.
1992, la série Valkyrie revient sur Super Famicom dans Sandra no Daibo Ken Valkyrie Tono Dei. Namco est toujours l'éditeur, mais sous-traite son jeu auprès d'un développeur assez confidentiel, Nova Games. Ce studio japonais a essentiellement travaillé sur la 16 bits de Nintendo, avant de disparaître avec Battle Jockey en 1994. Cette fois, pas de Valkyrie. Après avoir joué le second rôle, Sandra devient enfin le héros. Oui, le héros, car comme son nom ne l'indique pas, Sandra est un homme, et qui plus est, un lézard. Après les événements de l'épisode précédent, il vit une existence paisible avec les siens à la campagne, jusqu'au jour où... Le jeu se démarque de son prédécesseur, qui lui-même se distinguait du premier épisode. Nova Games décide en effet de réaliser un jeu d'action plateforme asthénique. Il sort en Europe et en Australie sous le nom de Whirlo. L'unique épisode de la série sorti sous nos latitudes ne met donc même pas en scène Valkyrie, mais bien son acolyte vert au charisme incertain. Sandra no Daibo Ken respecte la traditionnelle difficulté de la série, au-dessus de la moyenne. Le héros meurt au moindre contact et réapparaît au dernier point de sauvegarde. L'erreur est donc fatale et le gameplay rigide souligne cette absence de pitié. Si Sandra plante son trident dans le sol, il est à la merci des ennemis sans que le joueur puisse intervenir. Le manque de souplesse de la part de Nova Games rend Sandra no Daibo Ken frustrant. Le studio cultive cette frustration jusque dans son système de password à 16 entrées. Le caractère design de Hiroshi Fuji masque cet ensemble stérile avec ses petits bonhommes rondouillés et attachants. Sandra no Daibo Ken est un épisode médiocre, sans grande originalité, si ce n'est celle de proposer de nombreuses mauvaises fins. Pour un jeu de ce calibre, c'était la moindre des politesses. L'épisode Super Famicom n'est toutefois pas suffisant pour effacer l'aura du titre arcade. Le personnage de Valkyrie entre parmi les légendes du bestiaire Namco et survit à la 3D de manière plus confidentielle. Valkyrie est une figure incontournable de Namco. Si les années passent et emporte avec elles son souvenir, les plus anciens n'oublient pas sa redoutable apparition sur arcade. Namco semble d'ailleurs aujourd'hui s'en amuser, à grands coups de caméos et produits dérivés. C'est ainsi que Valkyrie s'invite dans les Tales of, les Soul Calibur, les Taiko no Tatsujin. Sous forme de vêtements, d'invocations, de remixes musicaux, le spectre de la guerrière ailée hante les productions d'aujourd'hui, mais elle ne semble pas encore décidée à redescendre pour de nouvelles aventures.